thank you Cependant, la mélancolie contemplative ne lui faisant aucun bien, M. Jolibois, car hélas, la passion aveugle, erre à la rencontre d'un mortel sensible et compatissant. D'où le bruit se répand que c'est la bête du Gévaudan qui dévaste la contrée. Le maire se met à la tête d'une battue et l'on aperçoit la bête qui grimpe sur un noyer de cinq ans. Voyant tant de mortels sensibles et un maire compatissant, car, hélas, la passion aveugle, la bête accourt à grands pas et toute la battue s'enfuit à grands pas aussi. Cependant, les gardiens du télégraphe, s'étant aperçus de quelque chose, secouent ferme pour nettoyer l'instrument. Et toutes les lignes télégraphiques secouent aussitôt. Le ministre, étant averti que le télégraphe est dans un état de crise, se rend lui-même sur les hauteurs et s'assure que c'est le choléra. Qui s'avance sur la capitale. Aussitôt, M. Mondor joue à la baisse. M. de Pibrac accuse l'usurpateur. M. Grelot interpelle chaleureusement le ministre. M. Trusset se purge. La famille Trusset se fumige. La commission sanitaire se transporte dans tous les quartiers. Et elle découvre dans une chambre haute les trois savants asphyxiés. La médecine, ayant analysé les trois savants, déclare qu'effectivement ils sont morts du choléra. Les pharmaciens s'en frottent les mains et les employés aux pompes funèbres, prévoyant une belle saison d'affaires, boivent à crédit. Cependant, le docteur ne recevant point de nouvelles ni de son mémoire ni de son psychiote, tombe dans un grand abattement. À la fin, sur le conseil de ses servantes, il se détermine à en les chercher lui-même. En poursuivant la battue, M. Jolibois, car hélas la passion aveugle, arrive sur la grande route juste au moment où le docteur y chemine paisiblement. le docteur ayant reconnu son psychiatre en personne descend précipitamment de cheval pour le prendre et le mettre en groupe. M. Jolibois, ayant reconnu son docteur, car hélas la passion aveugle, rebrousse précipitamment pour lui échapper. Et se voyant poursuivi, il résiste. Et voyant que la servante s'en mêle, il détale. La lutte s'engage, et la victoire se déclare. Après quoi, le docteur prend en coupe son psychiote et continue son voyage. Arrivé à la frontière, le docteur est mis en quarantaine et on lui prend ses effets pour les fumiges. La servante traite fort mal l'inspecteur sanitaire qui lui ordonnait de purger sa quarantaine et lui réplique ⁇ Purge-toi toi-même, vieux démon !⁇ Cependant, M. Pinsil et Mme Jolibois arrivant au même lieu, la même invitation leur est faite. M. Pinsil répond qu'il est purgé en route, et Mme Jolibois qu'elle ne se purge jamais, ce qui fait rire l'officier sanitaire, homme de beaucoup d'esprit. Les effets du docteur sont fumégés. M. Jolibois, car hélas, la passion aveugle, y voit la continuation du complot tramé par sa femme, et les deux villes séducteurs, et il suffoque de jalousie. Les ais de la caisse ayant cédé, les deux valets de santé n'ont que le temps de crier « Au choléra Au choléra !» À la vue du choléra en personne, les officiers de santé prennent le mordant. Et les infirmiers aussi. Et les infirmières parallèlement. Heureusement, la servante s'aperçoit que c'est le psychiote de son maître qui s'est échappé et elle l'a bientôt repris. accourue au bruit, madame jolibois reconnaît que c'est son époux qui est enlevé par une femme, et à son tour, car hélas, la passion aveugle, elle ôte son chapeau pour s'abandonner aux amertumes de sa situation d'épouse, et aux larmes de sa position de mère, et aux rage de sa nature de femme. après quoi dans un entretien intime, elle charge M. Pensil de lui rendre son époux et le bonheur inclusivement. Cependant, le psychiote, replacé dans un cabinet vitré, brise les vitres et se montre de plus en plus indomptable et effréné. Le docteur commence à être fatigué de son psychiote et la servante est d'avis qu'il faut s'en défaire. Sur ces entrefaites, M. Pensil introduit Mme Jolibois et il expose qu'elle vient réclamer un époux. Le docteur approuve fort et la servante ajoute qu'on le trouvera dans le cabinet vitré. Première entrevue. Après quoi, M. Pinsil prend la parole et émet à distance des propos adoucissants. Après quoi, il raconte les violences de l'ouragan, les ténèbres de la meule, les démangeaisons de la forêt, et il montre partout Madame Jolibois pure et respectée. Après quoi, il s'apitoie sur l'aveugle cruauté des quiproquos. Le docteur étant survenu raconte à son tour l'écrasement des salades, les tourbillons de la volière et le séjour dans le cabinet des crocodiles, en sorte que l'effet s'explique et que la lumière jaillit par torrents. M. Jolibois rené à la conviction d'une épouse pure et respectée. Étant tout à fait rené, M. Jolibois, car hélas, la passion ne l'aveugle plus, demande qu'on ouvre le cabinet vitré et il se jette dans les bras de son épouse pure et respectée. M. Pinsil embrasse la servante et le docteur s'embrasse lui-même. Une voiture ayant été louée en commun, l'on reprend ensemble la route du pays et l'on recueille en passant le bourgeois et son chien qui étaient restés sur le télégraphe. Aussitôt, tous les télégraphes de toutes les lignes télégraphiques reprennent leur état normal. Le choléra cesse et les affaires de l'Europe se tranquillisent. Tout est bien qui finit bien. C'était les aventures de M. Pinsil ou la typologie du ridicule. Dans les rôles de ridicule, l'artiste, le médecin, le savant, le pharmacien, les politiques, le militaire, le gendarme, le journaliste, le rond de cuir, le ministre et le télégraphe. Aidé en cela par le petit zéphyr, la servante, monsieur et madame Jolibois, Georges Luçon et le petit chien.